qui demandait pour l'aller. C'est comme ça que Michel. Non, avant, je parle avec un journaliste. Il m'a discuté avec lui. Il me dit, mais on connaît pas notre journal. Mais au clair, c'est ça. Il me dit, mais bon, pour moi, on connaît pas notre journal. Ça veut dire que. Mais c'est vraiment. Et... Vous même fait pour ça parce que. Parce que je veux dire, qui est le problème pays a gagné? Problème gang, cap kidnappé moun. Qui responsabilité, André Michel, gagne dans gang, cap tchou moun, kidnappé moun, zéro? Et pas mettre gang, nous avons qu'à s'y mettre. Et pas mettre 20 âmes, 20 balles. Pas aucun rapport avec gang. Ça veut dire que c'est vraiment. On... C'est des attaques personnelles, de campagne de destruction. Bah, ça, y a une force, parce que y a capable de faire moun barré moun, faire moun ciblé. Y a une faiblesse parce que y a pas traversé le temps. Nous avons compris qu'il faut me faire comme ça matin. Hein? Écoutez, nous pensons que dans le pays, il faut que nous puissions habiter au gagné. Avant de commencer l'émission, je me suis dit une blague avec André Michel et puis il me dit quand on a le courage, ça, pour faire face à tout acte. Bon, moi, je me dis critique, mais surtout à tout, parce que critique, on est dans critique, mais attaque. Yeah. Comment on fait pour que ça sourie? Comment on fait pour. Comment gérer ça? Bon, mais c'est que dans la vie politique, à chaque moment de l'histoire, à chaque moment, et même de l'humanité, toujours un agneau pour sacrifier. À un moment de la durée, c'était Jésus-Christ, bon, il est relevé, et une période. Est-ce que quoi bon? Est-ce que son sorti bien? Oui, okay. Oui, c'était Jésus-Christ, etc. Il y a un dossier roi, etc. Il y a un dossier roi juif. Sacrifié, bien, il est relevé. Une période, c'était Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la patrie. Toujours un agneau. Et ils ont sacrifié. Et mon période, c'était Jean-Bertrand Aristide. Mm-hmm. Ça fait partie de la vie politique. Et on devrait même aller plus loin. Comprends? Mon moment, c'était Anténor Firmin. À chaque période de l'histoire de ce pays, de l'histoire de l'humanité, toujours mon monde, pour sacrifier. Et puis essayer d'écraser. Moi-même, ça me sûr. C'est que ma sortie vivant. Ma sortie vivant. Physiquement et ma sortie vivant politiquement. Mm-hmm. Donc, j'en suis sûr. Vous dites que politiquement, oui. Oui. Comment c'est ça? Of course. Mais laisse-moi te dire une chose. Malgré tout ça, mon abdi sous moi, etc. Il n'y a pas personne qui a prouvé un bagage négatif que je fais. Beaucoup de gens tuent mon avis. Beaucoup de gens volent l'argent de l'État. Beaucoup de gens ont la corruption. Beaucoup de gens ont la drogue. Beaucoup de gens font un bagage que la société est capable de reprocher. Ça veut dire, mon cas c'est écrasé. Pourquoi ça c'est ou même, selon même. Est-ce que vous réfléchissez, bon, pourquoi ça c'est moi-même? Non, toujours en période comme ça. Toujours au moment. C'est-à-dire, et si après c'est écrasé, il y aura écrasé n'importe quel monde. Il faut que nous monde pour nous porter une responsabilité. Il n'y a pas de monde qui a une certaine notoriété. Importance. C'est dans ça, qui a une certaine importance. Même parce qu'il y a des monde, si mon a mal mangé la caille, c'est André Michel. Si mon a mal dormi, c'est moi. Mais à la vérité, posez une question. Qui ça, monsieur, fait pas bon? Est-ce que monsieur est monité tout? Est-ce que monsieur est dans la drogue? Est-ce que monsieur est dans le kidnapping? Est-ce que monsieur est ministre? Il te volé l'argent de l'État? Rien. Il n'y a pas qu'à reprocher. Pour moi, je pense que bon, campagne systématique de dénigrement, de destruction qu'a fait pour essayer d'abattre. Mais moi, il y a conviction, non seulement m'a sorti vivant physiquement, grâce avec bon Dieu, et deuxièmement, m'a sorti vivant politiquement et n'a fini pas faire vision nous, pas faire idée nous, pas faire projet nous, compréhension nous triompher dans le pays. Parce que nous sommes capables de faire chaque jour, il n'y a pas rien pour nous reprocher. Tout à l'heure, on parlait, et puis, par exemple, Jésus-Christ, par exemple, des Salines, par exemple, des etc. Est-ce que vous pensez que nous avons une même lignée de combat avec nous, qui fait que. Et c'est ça que je veux dire. Dans tout ce nom, ça mourit déjà. Ça mourit. Je ne vais pas prendre ça qui est vivant là. Ou après des salines. Je ne vais pas dire ça. Non, attendez. Je ne vais pas dire ça parce que je ne vais pas vouloir antagoniser. Je prends Maniga pour montrer qui est président dans un contexte politique difficile, 1988.
prend pouvoir sous son peuple, etc. Bonjour, dis à chaque jour, ouvrir Facebook là, il y a pas son déclaration de ce manigat fait. Vous pensez ça, histoire de ça vous dit? Je ne dis pas ça parce que moi-même, tout le monde, c'est pour venir avant mourir. Non. Mais ça veut dire, que quel des moments dans la vie politique là, quand on choisit de craser, quand on choisit de détruire. Vous comprenez? Vous faites manigat ça, vous faites Aristide ça, vous faites Tenor Firmin ça. Mais Aristide, vous mettez la dedans tout. Vous devez faire ça, c'est ce que vous voulez dire. Non, il a été combattu, moi-même, c'est clair, moi, j'étais une organisation qui était combattue en bataille ici. Bon, évidemment. Mais ce n'est pas valable, je veux dire, est-ce que cela valait la peine d'aller si fort ou de renoncer? Pas moi, parce qu'à l'époque, je suis un acteur politique majeur, quand même. C'est fait comme vous, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Mais la vérité, c'est que dans la vie politique, toujours bon monde, il essaie d'écraser. Et le plus souvent, c'est pour aucune raison valable. Parce que je suis mon qui André Michel. Bon, qui ça André Michel fait? Est-ce que monsieur tue le monde? Non. Est-ce qu'elle a kidnapping? Non. Est-ce qu'elle a vendu des armes? Non. Est-ce qu'elle a vendu des drogues? Non. Est-ce que monsieur vole l'argent de l'État? Non. Mais qu'est-ce que vous reprochez André Michel? Peut-être d'avoir combattu le journaliste? Ah ben non, écoutez. Parce que comme vous avez fait sur ça. Mais laisse-moi te dire. Vas-y. Non, c'est clair. Sur le chemin. Sous ça dans mes sur le chemin de ma vie politique. Je me suis fait des ennemis. Mm-hmm. Fait des ennemis, puisque on combat le monde, etc. Fait des ennemis. Mais il y a de l'acharnement qui n'a aucune justification. C'est de méchanceté. On a pu s'écraser. Mais ça arrive. Et par contre, on vit lui très mal. On vit lui comme un moment, on vit politiquement, qui a à peine commencé. Vous comprenez? Mm-hmm. C'est comme ça que je vis. Je ne suis pas en cœur contre mon qui a essayé d'écraser. Mais moi-même. Sauf que ce sont des menteurs. Il y a des bonnes bagailles, etc. Pas qu'on peut souvent rien. Mais je fais face avec conviction, avec détermination. Pas qu'on n'a pas tellement vrai. Et bon, je vais préserver physiquement, ma vraie vie. Et politiquement, je ne finis pas comprendre que son agneau doit sacrifier, son agneau pas très main. Mais je suis sûr. Je suis très confiant dans l'avenir. Est-ce que vous pensez que c'est vos adversaires politiques seulement qui avaient attaqué? Est-ce que vous avez secteur, est-ce qu'on secte particulièrement qui avaient attaqué? Non, mais c'est que gagner plusieurs sortes d'adversaires. Mm-hmm. Vous avez des adversaires déclarés dans le combat politique. Mm-hmm. Vous avez des adversaires qui pas déclarés. Ou gagner des compétiteurs qu'on identifie, qui n'ont pas identifié. Moi, je pense que mon concours de circonstances qui mène en bas de mon cible. Mm-hmm. Bon, comme son membre commission de dialogue, je ne vais pas laisser pointer personne du doigt matin. Parce que mon posture pour moi. Hein? Puisque, vous savez pourquoi? Parce que je vais laisser écraser chaque matin, midi, soir, qu'à combattre, qu'à faire mentir sur moi, mon commission de dialogue, je vais me balader au dos. Je vais me préserver. Il n'y a pas chômé. Je connais pas chômé. Mais matin, on va venir pour ça. Je vais venir pour rentrer. Et expliquer à auditeurs, auditrices, mon cap gardé nous, cap tendé, Gazette Haïti, mais qui s'approche ce dialogue-là. Oui, je connais ça. À chaque fois, je me mets en train franchement, ça me fait plaisir. Yeah. Mais et moi-même, je ne vais pas cibler mon cap attaqué, je ne vais pas cibler tel secteur, tel groupe, parce que je dis à mon objet, pas à tout le monde. Mm-hmm. Mon dynamique de dialogue, il faut me prendre un peu de hauteur, un peu de recul, pour que moi-même, je ne vais pas faire que demain matin, je m'invite au monde, et puis je ne pas venir. Mm-hmm. Puisque nous, on dialogue multilatéral, multisectoriel, on parle avec tout le monde, sans aucune distinction. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Par exemple, et avant de faire, mais ça peut être une question de négociation politique, moi-même, moi pensé, et ça c'est mon point de vue, et moi pensé que, en pile, non, il y a critique, il y a attaque. Oui, critique, on d'accord. Okay. Et critique, et moi-même, chaque fois que je critique, je vais me évaluer, je me dis, bon, ok, je vais pêcher là, je vais pêcher là, mais attaque. Mais critique, là, normal, okay. Non, okay. Non, okay. Bataille politique, et, dans la vie. C'est normal. Donc, mais attaque. Mais moi, je pense. Et ma bonne raison, que je suis fâché, que je suis content, puis faut que je t'as pas attaqué, André Michel. Il n'y a pas d'autre monde qui est dans l'opposition. Il n'y a aucun argument là. Et on a comme l'impression que le monde qui est dans l'opposition, c'est lui-même qui a dirigé Haïti. Et ça, c'est inacceptable. Il ne faut pas faire ça. Ça veut dire que maintenant, je ne vais pas nous reprocher. Et nous ne pouvons pas nous reprocher Michel à partir de l'heure que l'entrée dans le pouvoir. Nous avons commencé à compter pour monsieur à partir de là, monsieur fait partie de notre pouvoir. Mais écoutez, c'est comme si le fait qu'on avait combattu Jovenel Moïse, son péché mortel, et qu'on n'avait pas ce droit. On ne peut pas faire ça. Pourquoi vous avez des critiques sur la façon dont vous avez mené le combat politique, opposition, je voulais, mais comment pour vous, on est qui t'a dénoncé, on est qui t'a menté pour ça changer, qui t'a pris un risque, comme je vous l'ai dit, 10 ans sur le passé là, que PHTK a crasé le pays, faut me dire, c'est PHTK pendant 10 ans qui t'a géré Haïti. Pour que vous avez fait bilan,
10 ans de gestion de PHTK. Et puis ensuite, pour nous capable de dire, ok, opposition à tout, il était péché, opposition à tout, il n'y a pas de fait, et puis le péché, c'est que, il n'y a pas de constitution véritablement de force pour te renverser la situation et pour pouvoir imposer l'idée que tu as parlé de changement réel. Là. Ce faisant, je ne suis pas en train de dédouaner les personnes, mais moi-même, tout par exemple, nous avons regardé une bonne vidéo. On manifeste qu'on a fait soudainement. Mais on se remet vidéo ça. On me dit, on va ouvrir l'allée, on a bon. Vidéo ça gagne. Toute journée, il y a beaucoup. Comme si c'est ton péché. C'est comme si, vous voyez, c'est le péché que je me fais. Pour me demander Jovenel Moïse, quitter le pouvoir. C'est comme si, c'est le pouvoir Jovenel. Parce que je me demande pour l'aller. C'est comme ça que Michel. Non, avant, je me parle avec un journaliste. Il m'a discuté avec lui. Il me dit, mais, on ne connaît pas notre Jovenel. Mais il y a clair, c'est ça. Il me dit, mais même là, pour moi, on ne connaît pas notre Jovenel. Que... Mais c'est vraiment. Et... Vous même fait pour ça parce que c'est difficile. Parce que je veux dire, qui est le problème pays a gagné? Problème gang, cap kidnappé moun. Qui responsabilité André Michel gagne dans gang, cap tchou moun kidnappé moun zéro? Et pas mettre gang, nous avons dit que c'est météo. Pas mettre 20 balles. Pas aucun rapport avec gang. C'est-à-dire que c'est vraiment. On... C'est des attaques personnelles, de campagne de destruction. Bah, ça, vous avez force, parce que vous êtes capable de faire mon barré, faire mon cible. Vous avez faiblesse parce que vous pouvez traverser le temps. Nous, nous croyons qu'il faut me faire quoi ça matin. Hein? Écoutez, nous pensons que dans le pays, il faut que nous puissions inviter au gagner. Le nom sorti dans l'élection, dans le voter au monde, c'est lui pour demander ça le faire avec le pays. Hein? C'est pas le monde qui est facile, qui a protesté. Nous avons une campagne, nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir, et bien il faut dire après, c'est quoi que ça me fait pour Haïti? Comment je suis imaginé à l'élection de mon pays? Allez, m'a quitté là. Comment quoi c'est ce l'élection de mon pays? Allez, m'a quitté là. Combien de quantités ont accès à la richesse de l'homme de pouvoir avec les maps qui étaient là? Mais ça, c'est pas. On passe sur vous poser question ça. Je vais vous dire la bombaille. Je vais parler de Michel Toubouillon. Oui, non. Ça, c'est l'éducation politique qu'on fait pour nous là. Nous, nous gagnons pour nous poser question, c'est nous, nous baillons mandat pour aller défendre nous. Parce que le démarche en Haïti pour criminaliser les droits. Et comme c'est nous qui manifestons, nous déchangez ça. Écoutez, c'est coupable pour les gens. On se rend cas. Vous pouvez mettre le pouvoir. Il n'y a pas de résultat. Il y a vivre de l'opinion ensemble. Il peut pas entendre de parler. Et si vous êtes monsieur, pas absolu vivant. Et vous pensez que là, c'est peuple Sri Lanka, pas de responsable. C'est seulement en Haïti. Pas américain. Pas que j'aime oser rendre républicain responsable échec Biden. Jamais. C'est pas Biden. Comment vous pensez Bolsonaro, quand il y a la loi, la de ce bras battu, de qui parle Randa Silva responsable. Échec, non. Non, même jeune femme, jeune garçon, quand il y avait là, moi, quand vous remontez, etc., vous me dites, il faut nous apprendre à demander mon bâillement d'accord. Ça va le dire, nous qui sommes en pas gagner, mais ça ne pas yon. Il critiquer forme de lutte. Pas gagner, pas yon. Ou capable de faire. Et je dis, sous les couilles, telle l'opposition vient de pouvoir, tel André Michel, nous avons posé une question. Et ça fait André Michel là, je dis, et qu'on a dit André Michel après 4 ans, écoutez, ça gouvernement a été fait, André Michel qui peut nous répondre. Parce que, officiellement, et qu'on a pas besoin de dire là, tout. Monsieur, officiellement, le SDP intégré au pouvoir. C'est son choix que assumer la gagné pour être ni actif, ni passif, choix là. On va pas critiquer nous parce que moi-même, je suis bon aussi. Je suis confortable avec honnête, qui a une négociation politique, qui a assumé que un non-gouvernement, qu'elle est qui dit pas jamais le gouvernement, qui a payé l'État, qui a tiré tout avantage, et puis par ailleurs, et puis pas gagner contre la personne. Ça me fait deux points à eux, mais ça va m'empêcher de mentir, André Michel, s'il vous plaît. Dis-nous, André Michel, on va venir à une négociation. Un an après que. Il a dit à Ariel Henry et son équipe que nous appartenons à gouvernement ça, mais dit vous-même à travers SDP, quel est le bilan? Parce que Ariel Henry n'a pas fait le bilan, il laisse aux autres de faire le bilan, mais vous-même qui fait partie du gouvernement à travers SDP, comment le pays a de l'un qui est Ariel pour pouvoir ajouter? Bon, et bien même point au fait. Et m'a dit un bagaille. SDP était capable de faire même avec un peu l'autre groupe qui négocie avec Ariel en bataille, mettez un ministre, l'allez quoi. Et puis passer encore en septembre et puis dire nous pas dans le gouvernement. Nous t'avons fait. Bon, c'est bon, c'est bon, on va faire d'intelligence, c'est simple. Oui, nous t'avons fait même avec un peu la cour. Nous faisons négociation en bataille. Nous mettons le ministre, nous. Bon, le sang, nous mettons Ricard. Nous avons le mettre en monde. Personne n'a pas connu. Personne n'a pas connu. Toi, je suis de la montagne. Ah, nous t'avons fait nous. Après, nous t'avons dit nous pas dans le gouvernement, pas encore en septembre. Nous t'avons fait. Et puis, nous choisissons. Nous choisissons pas faire. Parce que nous croyons, si nous voulons changer le pays, il faut changer de façon de faire politique. Il faut suspendre la population à mentir. Nous avons fait le choix de la transparence. Écoutez-nous, cher. Mais nous assumons ce choix, le choix de la transparence. Nous avons cherché au monde. Personne ne va connaître.
on est la montagne, on est de l'autre côté dans le pays. Il n'y a pas de chambre avec nous. Et puis nous mettons un ministre dans le gouvernement, et puis marché, dit, nous pas dans le gouvernement. Mais chaque fois que nous passons, nous allons prendre comme là. On aurait pu faire ce choix. Nous avons une population à mentir. Mais nous avons choisi la transparence, nous n'avons pas une population à mentir. Nous avons un accord politique, et si vous rentrez dans le gouvernement, nous rentrons ouvertement, et nous rentrons à travers une personnalité. Que tout le monde connaît qui est dans SDP. Mm-hmm. Et ça nous fait avec Ricard Pierre, avec participation dans le gouvernement. Maintenant, bon. Gouvernement nous rentre là-dedans. D'accord, à partir de ça, il doit poser une question. Gouvernement, bien sûr. Okay. Gouvernement, que nous l'a donné, il veut gagner un an. Ariel gagne un an, mais nous signons encore en septembre. Et gouvernement, le 24 novembre. Ça veut dire que août, septembre, octobre, novembre. Ça veut dire que nous gagnons 7 mois. Ouais. Gouvernement, ça a gagné 7 mois. Donc, nous avons 7 mois au pouvoir. Gouvernement, ça a gagné 7 mois au gouvernement, Ricard l'a donné. Et bon, pas l'autre monde là-dedans. Vous ne pouvez pas péter moi, nous, pouvoir. Vous ne pouvez pas péter nous, pouvoir. C'est pas peine, peur, on m'analyse, on m'a dit pouvoir, on dit nous là-dedans, on change de terrain. Non, attendez. Parce que je toujours crois que Haïti a un pouvoir, oui. Ça qui est exagéré. Non, le pouvoir est à construire. L'État est très faible, tant sur le plan de moyens, sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan capacité, sur le plan de la puissance publique. L'État est très faible. L'État est trop faible. Ça fait pour moi, nous devons construire un pouvoir et nous devons construire l'État. Tout autant pour construire l'État, pas de pouvoir véritablement. Mais il y a des gens qui ont affaires. Il n'y a pas de problème sur ça. Maintenant, ça fait 7 mois ou bien 8 mois. Nous-mêmes, nous sommes très préoccupés. Effectivement, dans une compréhension constructive, il y a des actions pour moi qui sont bonnes. Actions que le gouvernement de Ricard l'a fait, qui sont bonnes. Et les bonnes actions, nous les supportons. Et côté gain, faillot, nous prenons courage nous, à deux bras, nous critiquons. Mais c'est pour critiquer, comme si nous n'avions pas là dedans, non? On critique pour nous dire ça, elle mérite de changer. Nous critiquons tout ça, on dit que nous avons le pouvoir et puis nous avons l'opposition. Non, attendez, c'est pour un gouvernement, nous gagnons, nous représentons notre gouvernement. On prend l'autre monde qui l'a gagné. C'est-à-dire, en même temps, on a supporté ça qui est bon, mais il y a des bagailles pour nous qui méritent de changer et nous critiquer. Même pas critiquer comme si dans le sens critique, on a l'école. C'est une forme d'alerte. Par exemple, une action et gouvernement prend pour moi qui a un sens. Par exemple, longtemps, là, un policier est mort. C'est 75 000 gouttes de la famille pour faire un témoin. Parfois, il prend 3 mois pour faire 75 000 gouttes là. C'est policier qui fait quelque pour enterrer. Je dis, nous pouvons arrêter dans le conseil des ministres. Côté, un policier qui tombe sous champ de bataille, l'exercice fonctionné, automatiquement, il y a une indemnité de 1 million de gouttes de la famille. Et chaque lien, il y a continué à bailler jusqu'à ce que le dernier petit ait 18 ans. C'est intéressant pour moral policier qui est sous champ de bataille chaque jour. Il y a des décisions qu'il prend, il y a ajusté de façon substantielle jusqu'à 49% le salaire de fonctionnaire de l'État. Pour moi. C'est une bonne chose parce que nous avons une situation pour que l'État vive. Il y a ajusté salaire pour faire l'école. Il y a des gens qui ont touché 15 000 gouttes qui ont gagné dans 30 000, qui presque dans 30. Il y a ajusté salaire personnel médical, tant que médecin, tant que infirmier. Ça est intéressant. Il y a ajusté salaire policier. Ça, ce sont des bonnes actions. Nous, félicitons. Même j'entends, jusqu'à présent, pour aucune des preuves que le gouvernement il y a un rapport, il y a une connivence avec gang. Pas de preuves pour ça. Même si il y a des accusés. Non, ça fait partie du combat politique. Mais pour aucune preuve. Que le gouvernement ça il a connivence avec gang, la baie gang ZAM, la baie gang l'agent. Il n'y a pas encore cette preuve. Pour une distance qui prend. Ça y est, pour nous intéressant. Il y a des gestions macroéconomiques qui ont fait tout. Il y a des institutions internationales qui étaient coupées fâchées avec Haïti à cause de mauvaises gestions qui commençaient à retourner dans le travail avec Haïti sur le plan financier. Ça y est intéressant. Cependant, mon manquement. Mon manquement qui n'est pas fait. Pour moi, il est inacceptable. Par un service de renseignement qui a fonctionné dans le pays. Parce que je dis à ça, quoi me sauver mon frère? Moi, je suis avec vous. Si nous prenons la machine dans le Delma, mais qui bandit, vous êtes connu? Mais là, ça te passe. Service d'information plus fiable. Si bandit a un bon service d'information, service de renseignement, je ne suis pas d'accord. Pour l'État, ici, pas comme service de renseignement. Et ça fait pour moi, et au niveau du ministère de l'Intérieur, une faiblesse. Parce que, ça ne pas jamais d'accord, mon dit. Pour l'État haïtien, pas qu'il y a 2, 3, 4 agents d'enseignement dans la ville de Dieu. Pas de monde qui fait comprendre ça. Parce que tout le monde qui vit là de Dieu, va vouloir 3 membres pour mettre au fond service de renseignement. L'État n'est pas capable de 10 membres au service de renseignement. Non, quoi de bouquet. L'État n'est pas capable de service de renseignement privé dans la ville. Ça veut dire qu'on faiblesse à ce niveau. Et ça, c'est une faiblesse politique et pas de job la police. C'est vrai, la police a une structure de renseignement. Mais qui n'est pas vraiment bien équipée. Le vrai système de renseignement, c'est. Politique liée. Mais ça, vous mettez, vous avez que le pouvoir, vous mettez. C'est ce que je vous dis. Oui, c'est-à-dire, pour nous, dans le gouvernement, il y a des secteurs qui ne sont pas fonctionnels.
T'as quoi ça? Il y a des secteurs qui pas fonctionnel. Et il y a des monde où senti qu'a fait effort. Il y a des monde où senti qu'a fait effort. Par exemple, on capable pour exemple, nous on est qui très honnête. Dans sens ça. Quand vous le pas vrai, vous avez l'impression que il y a des ministres qui a fait quelque effort, qui a dirigé le secteur. On pas veut citer non parce que on pas veut matin, vient dire un point, vient dire un mauvais point. Mais il est clair que le secteur dans le gouvernement qui est inefficace. Et pour moi, le pays a besoin d'un gouvernement de combat pour affronter l'insécurité, affronter le kidnapping. Ok? Et des populations à l'en souffre dans le cadre d'un programme d'apaisement social, on dit plus mal, mais aider les classes moyennes à jouer une bouffe d'oxygène. Donc, parce que classes moyennes sont appauvries. Est-ce que vous dites là qu'il y a en septembre que le gouvernement a échoué et que qu'on doit prôner l'idée de votre gouvernement? C'est parce que je dis. Je dis que le pays a besoin d'un gouvernement de combat. Parce que il y a quelques ministres qui plus ou moins fait job, yo, donc on bande pour moi qui est très inefficace. Il faut me réserver le droit, et pas me réserver le droit. Donc on dit pour le mise en ça devant. Une quoi, gros dialogue, nous entreprendre là, nous permettre que nous arrivions à ce renforcement de la gouvernance. Et ce gouvernement de combat dont vous parlez. Oui. Donc il faut un renforcement de la gouvernance. Pour nous capables de faire face à un vrai problème. Yo. Parce que le gouvernement, ça va pas venir pour l'été. C'est pour l'apaiser souffrance population. Hein. C'est pour bailler des résultats clairs. Dans la bataille contre le kidnapping, contre l'insécurité. Et dans la bataille, ça, moi-même, je fais confiance à la police. C'est pour lui permettre que nous fassions des modifications dans la constitution pour éviter de tomber dans la crise. Est-ce que nous parlons d'un sénateur 2 ans, 4 ans, 6 ans? C'est des questions fondamentales. Nous allons aborder dans le dialogue là. Et créer un environnement politique pour assurer tout le monde pour aller dans la compétition électorale, pour ne pas choisir les dirigeants. Mais le gouvernement, ça, tel qu'il est là, à mon sens, avec autant d'inefficacité, la KMC de ministre, je ne veux pas citer de nom, bon distributeur de bons points et de mauvais points, je vais faire ça matin, d'autant plus que mon commission, vraiment ça, l'identité de faiblesse, et fondement gouvernement de combat. C'est ma compréhension. Et dans le gouvernement de combat que vous parlez là, vous parlez qu'à des possibilités, peut même remettre en question le poste qu'occupe SDP, en cas de changement. Pas de rien qui. On ne peut pas parler d'un bail personnel. Bien. Nous allons faire. Pour la compréhension, il faut un gouvernement de combat. Comprends? Et parce qu'il y a deux ministres qui sont très clairement inefficaces. Et puis on verra. Mais c'est compréhension pas. Parce que là, on n'est pas capable de traverser l'année qui vient là avec autant d'inefficacité. Et la population pas imbécile. Il y a un ministre qui est efficace. D'ailleurs, on fait analyse. Autant de il est véritable. Secteur qui est plus vital dans le gouvernement là, je veux dire. Ministre qui est supposé ministre qui est plus important et plus inefficace. Alors, ce qu'on connaît, que si vous venez quoi la demander un bon ministre qui est efficace, si vous ne doit pas venir. Non, mais je ne vais pas dire qu'il y a un ministre qui est efficace. Non, pas non, non, pas dire ça. Je dis qu'il y a un ministre qui a l'impression qu'il y a un dirigeant secteur qui existait. Non, même des ministres qui existaient, mais il y a des gens qui sont carrément inexistants. C'est-à-dire que c'est un gouvernement net pour d'avoir allé. Nous, nous croyons effectivement qu'il y a des gens qui font preuve de bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. Il faut les moyens, il faut une politique. Bref, combattre. Je dis, vous avez toujours dit que le ministre n'a pas fait lire, et ou même, si vous avez un gouvernement, ça, qu'on a donné un point, sur 10, si vous avez un bon, mais même, attendez, si c'est un bon calme, étant donné que. Moi, il y a un monde qui représente SDP dans le gouvernement. On va le placer. On va le dire que c'est. Vous mettez ça au peuple. Non, là, me dit ça. Bon, moi, mon détenteur, que moi, je ne suis pas satisfait, je suis très préoccupé. Me dit déjà. Mais pour distribuer le programme, quittez ça dans moi. C'est pas pour un monde, non. Oui, oui. Comme si, est-ce qu'on sait que nous faisons moyenne, 7 mois plus tard. Ah, bon, mais même, je suis très préoccupé et moi, pas vraiment satisfait. Pas vraiment satisfait, malgré que je me dis qu'il y a quelques bagailles qui est positif, qui méritait pour moi de supporter. Pour moi. Par exemple, puis que vous voulez c'est la question des gangs armés, puis il y a C'est la question fondamentale. Oui. Moi, personnellement, si je fais une analyse, si je fais un point de vue, je pense. Et au gouvernement, après Jovenel Moïse qui est monté, Ariel Henry, qui l'a, la mission principale, c'est de mettre sécurité, faire élection. Ok? Et pour même si vous côté, je l'ai dit, diamétralement, c'est grave, parce que nous ne pouvons pas attendre que Ariel Henry va changer Haïti dans un an. Nous ne pouvons pas attendre que Ariel Henry va manger, va être manger dans un an. C'est désastre. Je me dis, il y a un désastre que les jeunes quittent là, pour qu'il soit réparable, facile, même si, en même temps, nous rendons compte que, je vous dis là, le gouvernement qui montait inefficace, il était capable de faire mieux pour adresser les problèmes fondamentaux. Mais, je vous dis, gang, et moi, je vous dis que, son héritage tête chargée qu'il a. Parce que le gang n'est pas là au hasard. Non, vous voyez, ma gang, c'est deux vérités. Trois vérités. La première vérité, nous connaissons gang, c'est pas dans le ciel, c'est tombé. C'est le monde qui a dirigé le pays qui mettait. Deuxième vérité, nous connaissons, c'est le gouvernement qui met gang. Mais, c'est lui qui est responsable.
C'est qui pas fait responsabilité pour le combattre. Et qui pas fait. Et sur ce point, le gouvernement a une responsabilité historique. D'ailleurs, c'est sur le terrain de la lutte contre l'insécurité et le kidnapping. Il a jugé le gouvernement. Absolument. Et c'est sur le terrain ça. Il va continuer à juger le gouvernement. D'ailleurs, si le gouvernement n'est pas arrivé le plus vite possible à des résultats probants, très clairs, c'est chose, il n'est pas capable de faire élection. Faire élection. Mm-hmm. C'est clair. Bon, comme vous entendez la police fait des annonces, t'es bon chef la police qui te dit que des matériels qui peuvent rentrer. Comme dans cette bataille, nous devons faire confiance à la police, nous devons supporter la police. Moi-même, par contre, qui l'est pour moi, la police prend responsabilité pour bail population en souffre. Parce que c'est sous terrain ça qu'on commence à juger le gouvernement et c'est sous terrain ça qu'on va continuer à juger. Mm-hmm. Et si question ça va pas régler, il n'y aura pas d'élection. Non, il n'y aura pas d'élection. Mais on risque de tomber dans l'effervescence, ce sera le chaos. Pour porter à aller tout le gouvernement et Ariel. Non. Regardez, ce sera le chaos. Et pour moi, le gouvernement est tenu de donner des résultats sur ce terrain. Est-ce que le SDP, c'est le capot de le soir, n'a pas sifflé? Je ne connais pas, mais si ça fait tout, ça fait moi-même tout, ouais, tout ça. Et tu as dit qu'on fait politique avec lui. Et pas qu'on fait politique avec lui, c'est on capable de dire que c'est mentor politique. Je vais décider de non, mais on a côté avec qui est. Je l'ai toujours dit, la politique, pas gagné qui fait mal net, pas gagné qui fait bon net. Tout le monde qui pas bon, c'est un petit côté qui bon la donne. Et ça fait moi-même quoi? Même Jean Jodi, c'est SDP qui a porté passif là. Mais le jour où. Bah, elle a bien passé. Bah, elle a passé bien. La police prend la responsabilité. Moi, j'espère hypocrite, tu as bien compris. Non, là, mais laisse à ma place pour me tendre. Ça va aller. Même espéré. Tu m'avais opiné pas. Parce que moi-même, je bien. C'est pas bien que votre présence au sein du gouvernement, on est capable de dire, nous, on est juste sur nous. C'est-à-dire que nous, on est en bataille pour changement. Nous, on est. Et puis, on frappe ta c'est parce que nous sommes engagés dans une bataille pour changement. Non. Nous, on est en ouais, nous, pour pouvoir, nous, on pouvoir, et puis, nous, on est situation. Parce que moi, je dis, trois batailles. Un. Gagnon, c'est pas nous qui mettons tout le monde qui est gagnon. Dans 10 années qui se passe là. Je vais le faire attaque ciblée parce que dans la commission, on va rencontrer tout le monde. Je veux avoir une posture. C'est la vérité historique. Oui, bien sûr. Je dis tout le temps. Sauf que maintenant, je vais parler de dialogue, je vais le cibler. Bon, posture pour un dialogue, pas un problème. Deuxièmement, tout le monde connaît, c'est pas le gouvernement qui met gagnon. Troisièmement, le gouvernement a une responsabilité. Le gouvernement, il a la donne. Il a une responsabilité pour combattre gagnon. Et il n'a pas trop de temps de vendre pour le faire. Je vous pense que je vais le faire. Regardez, c'est sur ce terrain. Qu'on juge l'action de ce gouvernement et pour une évaluation drastique qui pourra le faire de performance gouvernement dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Ça qu'on parle là. Vas-y, t'entends, ben ça finit. Après un an, il y aura une évaluation sérieuse qui pourra le faire sur la performance du gouvernement dans ce prochain mois. Et si le gouvernement ça n'a pas réglé pour pas bailler des résultats très clairs dans la bataille contre l'insécurité et le kidnapping, c'est fini. Mais moi-même. Et ça fait les années. Non, attendez. Pas objecté. Non, pas objecté. Ouais. Il faudra tirer les conclusions. De votre échec. Il faudra tirer les conclusions. Mais, comme moi senti premièrement que le gouvernement ça n'est pas vraiment dans la tête là avec gang, à bailler gang l'argent, à renforcer gang, à fédérer gang, etc. Et comme la police a annoncé, t'es mon chef, la police dans le sud qui a annoncé que gain de matériel qui a venu et que si tu es venu, il y aura le. Prends contrôle de la situation. Est-ce qu'on connaît avec quoi le matériel ça vous connaît tout le peuple haïtien de côté. Ah, ben voilà. Le jeu matériel ça arrive en Haïti. Mais on a vu, mais on peut se faire, c'est pas le résultat. Non, c'est la sécurité. Mais dites que vous avez la police, pas beaucoup d'exposés encore. Oui, parce que nous devons attendre. Non, mais ça m'a. Nous est fatigué. La population est fatiguée. Mais évidemment, nous devons reconnaître que la police fait quelque chose. Nous reconnaissons. Mais c'est largement insuffisant. Il y a des gros rapports à l'état de la situation. Les policiers nous donnent l'église, les assassinent les murs. C'est grave. C'est grave. C'est grave ce qui s'est passé. Avant de dire que ça, il y a un monsieur qui a fait circulation parce que la police n'a bêtise. Ça veut dire que c'est vrai que nous tournons que ces jours, vous voulez que tu fais des rigolos, ok? Qui a plus force, plus possibilité, plus moyen, qui fait une dire grave et pour Ariel, mais même tout, c'est votre pouvoir, c'est Ariel qui se pouvoir, il faut même dégager. C'est la notion de responsabilité. Ouais. Et il faut avoir le courage d'assumer ses responsabilités. Et ça fait des monde qui choisit faire politique en bataille. Mais nous, c'est qui passe encore, vous n'avez pas de vidéo. Qui passe encore, vous n'avez pas de chaîne là. Vous pensez, vous n'avez pas de chaîne là. Vous pensez. Qui a fait de chaîne là? Pays à casser. Non, mais la réalité, la population en lui-même. Mon n'y a pas. Papa, elle s'est dit un alphabet, pas bête. Papa, pas bête, non. Papa, pas bête. Alors, papa, pas, ouais, qui est monde qui passe encore, mais qui est dans le gouvernement. Vous pensez, papa, comme ça? Non, c'est vrai. Non, pas fait ça. Mais même, fait que papa, pas fait confiance. Vous n'avez pas fait ça. Non, pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Même pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Parlez aujourd'hui, parce que ma commission de dialogue, vous ne pouvez pas la tout le monde. Parce que dialogue n'a fait, n'a pas avec monde
qui dans gouvernement tout, il a pas la monde qui signe en septembre, comprend? A pas fait dire qu'on parle en monde, il pas dans gouvernement, il pas signé en septembre. Et pas ça veut dire nous. On va parler comment je dis à faire grâce. Parce que on aime nous, c'est ça. Nous pour suivre les qu'un B, m'a fait dans dialogue, dans discussion, comprend? Et on pas besoin faire ça. Mais tout compte fait, moi d'accord que minimum 7 pour gouvernement. Minimum 5. Oui. Mesdames et messieurs, la bataille. Mme Michel, qui est membre du gouvernement, oui. Avec SDP, je dis minimum 5. Le minimum 5 pour gouvernement dans cette bataille, nous menons contre insécurité et contre kidnapping. Le minimum 5 pour gouvernement. Le gouvernement va dans pile temps pour que effectivement on commence à avoir des résultats très clairs. Et la police doit avoir des moyens pour le faire, parce qu'il n'y a pas de secret dans ce cas-là. Heureusement, il y a une pression morale policière plus ou moins remontée ces derniers temps. C'est une très bonne chose. Leadership la police là, il y a l'impression qu'il y a l'attitude pour agir. Parce que je ne sais pas qu'il y a une autorité politique qui a dit mettez monsieur là, retirez monsieur, mettez un tel là. Mm-hmm. C'est très intéressant. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a l'attitude pour agir, pour bâtir plan de sécurité, pour qui on a besoin dans telle zone. Mais en tout sérieux, c'est blague. Le plus important, c'est que nous attendons des résultats. Voilà, maintenant nous sommes en pleine négociation, en tout cas, dans démarche de négociation, puisque les négociations n'ont pas encore commencé. Et c'est pour ça, surtout, nous t'es invité, même si on te garde des bagailles avant. Et même Kana, et face à l'équipe de Ariel, la commission créée par Ariel Henry, qui est ensemble de Mounadam, il y a Josué Pierre, lui, qui est le président, enfin, qui est le secrétaire général, général de la présidence, pardon. Et nous gagnons Marjorie Michel, SDP, Nogé Michel, SDP, Gérald Gilles, lui, Gérald Gilles, nous là, nous gagnons Edmond Subis Bozil Fusion, nous gagnons Alex Richard, qui est c'est le conseil général du conseil des ministres. Oui, primature. Non, du conseil des ministres. Du conseil des ministres. Et puis nous gagnons Génard Joseph, qui est secrétaire d'État à l'alphabétisation. Handicapé. Donc, face à l'équipe de Montana, qui était dit, déjà, vous avez un jeu de correspondance entre Ariel avec Mounzaïo, qui n'a jamais fini, pour virgule, virgule, qui chaque fait finalement, mon commission, monsieur mette commission PAL, Ariel mette commission PAL, et il y a deux rencontres qui fait déjà. Parlez-nous de la rencontre Sayo, qui a pu se dérouler, avant qu'on regarde, côté nous, je veux dire, côté nous, bralé. Est-ce que son dialogue de sourd, est-ce que son temps perdu, dis-nous, comment ça a marché? La première chose, la commission de dialogue du 11 septembre, commission de dialogue qui est représentée ici à 11 septembre, et puis le 24 juin 2022, et automatiquement la commission a monté, nous avons pris le soin pour nous, Chita, faire 4 à 5 réunions pour nous arrêter les termes de référence de la commission qui va être nos missions, et nos philosophies, nos agenda d'activité, et nous va être en compréhension du processus de dialogue là. Mm-hmm. Et nous gagnons. En discussion que nous engageons avec un ensemble de secteurs importants dans le pays. Avec les amis de Montana, parce que Montana, c'est, personnellement, c'est un ami, pile là-dedans, vous voyez. Et je vous dis ça. Grand pile monde qui est dans Montana, moi, plus proche idéologiquement que grand pile monde qui s'y est encore en septembre. Je l'assume, c'est une vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et on dit ça, on dit ça publiquement déjà, ce sont des années. Évidemment, nous avons une divergence, une compréhension qui va faire même de conjoncture politique là. Parce que nous-mêmes, depuis Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, nous comprenons que là, il y a un bagage qui a changé. Nous comprenons que donne politique a changé. Il y a un monde qui va te finir quoi le changer. Mais peut-être, il y a des choses qui ont changé, vrai. Mais attendez, pas de problème. Nous, avec Montana, nous avons deux divergences. Nous avons deux divergences dans la question de dialogue là. Première divergence nous gagnons avec l'équipe de Montana, nous fait trois séances de discussion qui finit dans le calme, dans le respect mutuel, pas une attaque l'un fait sur l'autre. Mais on comprend que nous gagnons deux désaccords majeurs. Il y a petit, oui. Mais les deux bains majeurs. Sur les mêmes après, bon, moi, c'est une connerie. Donc, d'abord, le monocéphalisme et le bicéphalisme. Et puis, accord bilatéral, accord multilatéral. Premier accord majeur, c'est la compréhension nous, de dialogue là et la compréhension pas nous, de géographie politique là. Mm-hmm. Pour nous-mêmes, en septembre, le dialogue doit être multilatéral et multisectoriel. Faut d'abord, avant même que nous démarrions le dialogue-là, nous identifier les autres protagonistes qui doivent être sur table avec nous pour nous démarrer la discussion, pour nous accord politique. Ça veut dire que nous ne pouvons pas considérer Montana comme le seul interlocuteur. Et pas nous parler considérer, ce n'est pas ça. Cela ne correspond pas à la vérité. Cela ne correspond pas à la géographie politique haïtienne. Nous avons gardé la géographie politique en termes de rapport de force, en termes de mounio, ce n'est pas ça. Claire. Il pas ça, on est d'accord. On ne connaît pas ça. Bon. Montana a pensé au même, il faut que nous attendions d'abord avec 11 septembre,
Ensuite, on allait voir l'autre. Moi-même, on dit, en septembre, dit, c'est pas notre compréhension. Parce que si on finit en attente avec Montana, ça va être très difficile d'aller vers les autres. L'autre jour, elle dit, je finis en accord à Montana, je viens prendre comme si je minimisais, comme si je ne pas prendre au sérieux. Sinon, quand même, on remise la question de combien de quoi. Ah, c'est nous seulement qui avons ça. Risque pour estimer que je suis en con. Il y a même besoin de parler encore. Ou bien, il dit, bon, on est en faveur à Montana. Il y a boudé processus de dialogue. Mais deuxièmement, il n'est pas productif parce que automatiquement nous avons accord avec Montana malveillant. La première question. Nous allons recommencer à zéro. C'est le premier désaccord. Mm-hmm. Je pense qu'il faut que nous accord avec eux. Après ça, il faut regarder vers l'autre. Nous même nous disons, ce n'est pas la bonne démarche. Il faut que le dialogue soit multilatéral et multisectoriel. Et en nous identifier ensemble les protagonistes majeurs qui doivent sous table. Mm-hmm. Et démarrons le dialogue avec tout le monde. Parce que, à ce moment-là, démarche Montana, si nous comprenons, Montana se considère comme le principal interlocuteur. C'est comme penser qu'il faut qu'il y ait un pays sage. Ok, on pense ça. Et deuxièmement, dans la démarche-là, tout Montana dit hey, c'est maintenant qu'ils vont dialogue mélangé là, pas bien que Montana, dans ce moment, il était le pouvoir de Marielle. Montana n'a pas de même rôle de Ariel comme premier ministre. Donc, Montana a rendu compte que, c'est-à-dire qu'il était visé pour toute pâtisserie, il était Ariel Léon. Je veux dire, mais non, dialogue, écoutez, nous, on veut là tout le monde. Gâteau avec droit difficile pour séparer. Bon, ça c'est commentaire comme journaliste. Moi-même, moi, son commissaire, qui nous processus de dialogue, je voulais une certaine retenue pour ne pas dire rien qui est capable de mettre. C'est commentaire et vous portez la responsabilité de vos commentaires. Bon, premier, là c'est premier pour le désaccord. Implication ou pas de leur protagoniste au départ. Il y a un monde qui dit mais pour commencer à tout le monde parce qu'on voulait faire des magogies. Non, ce n'est pas vrai. Parce que ce qui base moral décidé, ça avec Montana pour me commencer, ou bien me commencer par exemple avec le secteur privé des affaires. Ce qui base moral décidé, est-ce qu'on a un instrument de mesure qui fait me croire que Montana aujourd'hui est plus important que le secteur privé des affaires comme protagoniste? Bah, Raphaël, alors dis-le, ou un bon protagoniste pour nous faire commencer à tout le monde. Premier désaccord, deuxième désaccord. Mais supposons, est-ce que nous devons faire passer le temps tout pour nous faire plus de temps au pouvoir? Non. Parce que nous disons, dit que nous disons, vous voulez là, c'est pour faire temps passer pour passer plus de temps au pouvoir. Bon, il a toujours dit ça, vous voulez, mais ce n'est pas ça la vérité. Nous voulons arriver à un consensus sur les questions de fond avec les protagonistes les plus importants. C'est pour un carnaval nous allons le faire, et pour millions de monde nous allons mettre dans la salle là, et pas 200 000 monde nous allons le mettre, mais nous voulons identifier les protagonistes les plus importants. Est-ce que vous faites ça déjà? Nous commençons à faire beaucoup de panneaux. Et c'est ça que fait, parallèlement, nous avons une discussion avec Montana, avant de ça, nous avons rencontré l'autre monde nous-mêmes. Nous pas chômer. Comment nous rencontrer en pile dans le monde qui signe en septembre? Nous commençons à rencontrer l'autre groupe qui passe en septembre. Avant, nous rencontrons un groupe représentant un groupe de des députés. De 72 anciens députés. Nous rencontrons eux, nous passons à quoi? Nous discutons avec eux. Nous allons rencontrer, on bande l'autre groupe, pas besoin de bail. Agenda dans la gazette là. Bref, nous-mêmes, nous déjà nos démarches multilatérales, multisectorielles. C'est clair pour nous, le dialogue doit être multilatéral et multisectoriel. Si nous joignons en tête avec Montana, il ne peut pas permettre de résoudre la crise là. Voilà notre compréhension. On peut se tromper, mais nous sommes de bonnes. Deuxième point, c'est sur l'agenda de discussion. Le protocole? Oui, l'agenda de discussion. De qui ça va parler? De qui ça va parler? Parce qu'on a parlé de gouvernement bicéphale avec Ariel ou Sariel. Ils ont parlé de gouvernement monocéphale avec Ariel ou Sariel. Comment? Ouais. C'est ça qui a passé. Pour 11 septembre, dialogue là doit être fait d'abord sur les questions essentielles. Les questions qui concernent la vie des citoyens. Comment pour nous, premièrement, comment pour nous monter un front de patriotes contre l'insécurité dans ce pays, pour nous mobiliser le pays, qui pour supporter la police dans la bataille contre l'insécurité, contre le kidnapping. Comment pour nous monter et mettez en œuvre un vrai programme d'apaisement social pour nous soulager souffrance, mon qui pibayo, et pour ton bouffer d'oxygène, ma classe moyenne en difficulté. Parce que tout le monde qui vient au restaurant là, tout le monde là en difficulté. Tout le restaurant sous Delma, qui dans tout le pays, et pour tout le prince, Pétionville, tout le monde ça a besoin de l'état en coup de main. Il faut supporter, il ne faut pas quitter tomber, dans la compréhension pas non. Comment pour nous, pour une série de modifications essentielles dans la Constitution, parce que si ou pas, pour des modifications essentielles dans la Constitution, ou pas un problème. On va faire l'élection pour sénateur 2 ans, 4 ans, 6 ans. Ça veut dire que vous n'avez pas fait unanimement. Vous n'avez pas fait là-dedans. Balvini après là-dedans. Ma baoule. Ouais, sur les questions essentielles que nous devons faire dans la Constitution, nous ne pouvons pas défendre Chambadel totalement. Mais il y a des débats pour faire sur la question des mandats. Vous qui avez fait l'élection 3 sénateurs, une 2 ans, une 4 ans, 6 ans. Problème. Vous n'avez pas fait ma compréhension par le mandat journal défini depuis cette fin 2021. Ça veut dire. Depuis 7 février 2021, tu es supposé me poser. Attendez, ma compréhension journal ici, il dit c'est 7 février 2022. Avec depuis 7 février 2022, pour eux, il faut que tu gagnes le président compté. Si on fait l'élection l'année prochaine, par exemple, mon qui était pour le mandat journal fini depuis 7 février 2021, il a dit ah, monsieur, 3 ans arrêté. 2 ans arrêté. Comme mandat. Mon qui était pour la fini en 2022, il a dit ah, et bien 2 ans passé. Même si on a dit que je vais le tourner encore.
Mais c'est une question essentielle. Nous ne pouvons pas engager le pays dans l'élection, ça ne peut pas résoudre la question. Ça. Et bien, avec qui carte électorale n'a pas fait le tout, c'est pas avec des malogues. Et comment pour nous monter CEP? Comprenez? C'est une question fondamentale. Pour nous! Et après, il faut regarder l'environnement politique là. Il faut un environnement politique consensuel, rassurant, qui mette tout acteur en confiance. Et là, je pense qu'il faut gagner un renforcement de la gouvernance du pays. Il faut regarder ça. Commençons par nous. Nos amis de Montana, ils ont même une question qui est fondamentale pour eux. Ils ont parlé de monocéphale, bicéphale. Non, ça me dit, pour Montana. Non, non, même pas. Nous, même pas, il faut un renforcement de la gouvernance. Mais vous défendez, est-ce que vous défendez l'idée de gouvernement monocéphale ou bicéphale? Je ne vais pas me défendre ces ligues-là depuis un an. Ça m'a bien. Vous m'avez changé. Je ne vais pas préciser. Est-ce que vous défendez le monocéphale? Est-ce que vous voulez mettre nous? Je ne vais pas comprendre ça, je pas comprendre votre position. Oui, pas compréhension par moi et position par nous. Dans la commission. Montana a dit que le premier point de dialogue là, c'est le rétablissement des trois pouvoirs de l'État sur une base transitionnelle. Mm-hmm. Alors, pour nous penser que l'élection, il faut qu'on le fasse justement pour nous capables de rétablir les trois pouvoirs de l'État. Mm-hmm. C'est l'objectif de ce processus intérimaire. Pour nous-mêmes, dans le processus intérimaire, dans la transition là, il faut nous rétablir les trois pouvoirs de l'État. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il faut nous rétablir la présidence, etc. Et puis on nous dit bon, et bicéphale là, c'est important pour nous. Bicéphale. Il faut bien au président ou au ministre. Attendez, ma compréhension pas normale. Pour nous, il faut nous joindre au mécanisme pour nous créer un environnement politique pour assurer tout le monde pendant l'élection. On forme une gouvernance consensuelle. Mais très honnêtement, on peut discuter de tout et de rien. On peut discuter, on peut faire 20 ans discuter si vous voulez. Mm-hmm. Mais, question bicéphale, tricéphale, monocéphale, ou bien 50 céphales, mm-hmm. combien de têtes là bien? Pour nous, très franchement, c'est pratiquement en question perdu temps. Donc, on va vous rigueur, c'est ça? Non, c'est en question perdu temps. Pour raison simple. Pas gagner aucun mécanisme institutionnel. Constitutionnel. Constitutionnel. Pragmatique. Politique. Pour dire où va choisir un président aujourd'hui. Qui est-ce qu'on choisit? Même dans le cadre de consensus. C'est comment on va faire un consensus ça là? Comment choisir? Qu'est-ce qu'on va péter? On va mettre Jean-Mim Frem, Fritz Alfonjan. Mm-hmm. Bon, si c'est lui-même, pourquoi ça ne va pas l'embête? Mais c'est Jean-Louis. Mais c'est là toujours. Il est là. Mmh. Pourquoi ne pas une discussion sur bicéphale? Il n'est pas là, mais le judiciaire rappelle la parole. Est-ce que le président est bon? Non, pas. Même pour le président, on va donner un oubli. Ah, faut pas le croire. Mais c'est le cadeau. Attendez, ma p'tit. Sous qui base? Pour me prendre, c'est pour me prendre à ça. Le consensus sera fait. J'aime d'arriver, mes amis. Non, mais c'est très sérieux. Madame dit non. Moi, il y a des gens qui prennent la rue, c'est parti Aristide. On dit pour mettre le président en transition. Ça fait. Parce qu'Aristide détaché de la valance détachée de Montana. Mm-hmm. Bon, sous qui base, n'a pas un futur, on ne va pas Aristide. Et sans compter, quand c'était l'autre monde qui veut ce président, ça veut dire qui ça, franchement? Ils sont rentrés là, on dit non, boîte de Pandore. Boîte de Pandore, ou pas sorti. Ouais, ils vont entrer là, boîte de Pandore, ou pas sorti. C'est comme si on entrait dans la chambre, ou que les têtes pour être jetées. Ou pas sorti dans la boîte de Pandore. Et ça fait pour nous. Ça veut dire que. Ça veut dire, non, mais attendez, mais je vous parle en toute franchise. Mm-hmm. Écoutez, même pas un problème pour discuter de tout ça, non, vous voulez. Les amis de Montana, vous comprenez, c'est politique. Vous comprenez, mais très honnêtement, pas gagner aucun mécanisme pour choisir et de pour rentrer dans le bagage ça et n'en perdre du temps. Non, mais d'accord, vous n'avez pas gagné un mécanisme légal. Non, mais c'est pas. Mais le consensus est capable de faire, mais cependant, vous allez vous dire là, vous avez le droit. Dans le sens, effectivement, vous n'avez pas président qui veut le président. Comment choisir? Où est-ce que vous avez le président ici en Haïti aujourd'hui là? Mais c'est tout dans la discussion. Attendez, mais que vous votez. Dans 11 ans, mes amis, quand on va faire votre élection à faire. Non, mais on consensus par exemple. Non, attendez. On dit Aristide là, Messen là, Fridjan là. Qui est-ce que qui sont les électeurs? Non, mais c'est Ariel qui veut le président tout. Bon, voilà, bref, voilà son boîte de Pandore, de pouvoir entrer là-dedans, on peut sortir. Et à la vérité, ça fait quand même plus d'un an que le pays a Jovenel Moïse assassiné par les nationales vides, par les gens qui ont installé un président là-dedans, ou bien qui ont installé, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas faire ça ici. Mais, très honnêtement, est-ce que c'est le problème président qui ne fait pas combattre l'insécurité, qui ne fait pas combattre le kidnapping? Est-ce que c'est parce que, par un président? Alors, dans une situation comme ça, la sagesse recommande de faire les choses avec un certain pragmatisme. Pour faire ça, nous sommes capables de faire. Alors pour nous, rentrer dans la discussion, monocéphale, tricéphale, bicéphale, 50 céphales, 200 céphales, sont barrés perdus du temps. On a une situation où il est là, nous ne pouvons pas perdre du temps. Parce que ça, pire important pour la population, hein, c'est qu'il est capable de passer Matissan. Et ça qui est pas capable pour moi, oui. Qui l'est
y a capable passer quoi des bouquets monter et dans plateau central qui l'est il a rentré la Tibonite à l'Égonaïve sans te casser. C'est ça qui est important pour nous. Voilà pourquoi nous disons que dialogue la force est fait sur les questions essentielles qui concernent la vie des citoyens. Écoutez, nous ne sommes pas reconnaître, mais nous sommes tellement bien dit là, pour nous faire changer, pour nous garder la constitution, pour nous faire ci, pour nous faire ça, mais le temps est contre vous, et vous l'avez reconnu tout à l'heure. Est-ce que nous échouons dans ça, nous avons calendrier pour nous faire ça? Je ne suis pas mettre situation. En septembre, nous avons un processus de dialogue multilatéral et multisectoriel. Nous voulons parler avec tout le monde. Nous voulons discuter avec nos amis de monde d'Anapen. C'est des groupes importants. Il faut nous parler avec eux. Mais nous croyons que nous n'avons pas toute une éternité pour le faire. On n'a pas toute une éternité pour le faire. Et il faut nous faire ça nous connaît pour nous aller vite et bien, mais avec un certain pragmatisme. Moi, j'ai une expérience pas fait dans la politique. À ça, on fait le beau, même avoir fait. On ne fait pas de politique sans courage. Et où est-ce que pas de courage politique? On a pris le problème. Parce que c'est très difficile, l'autre n'est pas arrêté. Vous voulez ceci, vous voulez cela, vous voulez ceci, vous voulez cela. Et puis après, pour retrouver une situation pour elle, ben, elle n'a pas qu'à passer comme ça. C'est très difficile d'avancer face à un tableau aussi difficile. Tu en as fait l'expérience, je fais le tour. Je prends un pile l'autre acteur politique, je vive ça dans la politique. Je pense que les amis de Montana, ils ont trouvé un carrefour qui paraît un peu difficile. Et c'est des patriotes, c'est des gens qui aiment le pays. On prend un pile là, c'est des dialecticiens de haut niveau. Je discute avec eux. Ah ouais, les dialecticiens de haut niveau. Mm-hmm. Un pile sympathie pour eux. On est dans le coup de tête syndic. Nene Mathurin, ça aussi de dialecticien de haut niveau. Ouais, me dit, vous comprenez? Moi-même discuter avec eux. Ça fait un plaisir de me parler avec eux d'ailleurs. Mm-hmm. Et toute l'autre équipe là, moi-même gagner eux devant ma discussion, on a fait contradiction. Moi-même ça. Parce que yo comme ça fait. Mais toi franchement, on essaie d'aller plus vite. Est-ce que vous avez demandé là par exemple pour tant de raisons pour on dit regarder position? Moi, je veux leur dire une chose très simple. Nous sommes des acteurs majeurs. Un, ils ne sont pas les seuls acteurs majeurs, il y en a d'autres. On ne peut pas faire l'économie d'un dialogue multilatéral et multisectoriel. Ça fait trois. Et autre chose, je comprends leur position. Je comprends une position, yo. Je sais que ce n'est pas facile. Mais il faut continuer à discuter entre eux. Il faut une formule pour nous avancer ensemble. Parce que moi-même, j'ai bien aimé avancer ensemble avec eux. Non seulement la bombe au pays, mais deuxièmement, parce que moi-même, moi dis, quand pile nos amis qui sont dans Montana, moi senti plus proche qu'un peu le groupe qui signe encore en septembre. Il y a deux bagages, par exemple, pour fermer rapidement, nous allons fermer tout à l'heure. Et dans tout débat qu'on a fait là, dans toute discussion, tout discours là, il y a une parole qui était chère avec nous, dans le matériel, qui c'est changement système. Maintenant, on parle de changement système encore. Et on ne peut pas parler dans ce labyrinthe de Pétro-Caribe. Est-ce que vous avez un panneau, un agenda? Non, ça fait partie de tout ça qui dit, mais encore en septembre. On ne va pas vers un autre accord. Ah bon? Non, nous allons vers un autre accord. Qu'est-ce qu'on va faire? La compréhension, c'est qu'il y a un consensus. Dans vos villes? Le consensus qui fait un accord en septembre. Et consensus ça. Pour nous rassurer pays, pour nous gagner conditions effectivement créées pour nous aller vers des élections, pour nous mettre un fonds commun contre l'insécurité et le kidnapping, il faut renforcer ce qui existe. C'est ça que vous parlez. Non, pas ce dialogue qu'a fait là, c'est dans la perspective un nouvel accord. Un nouvel accord? Oui. Parce que. On calme le nouvel accord, s'il vous plaît. On dit c'est. Non. C'est le non, mais pas ça. C'est pas ça. De toute façon, mon consensus qui existe déjà. Oui. Donc, si vous voulez aller dans le. On décadre notre consensus qui existe déjà. Mais il faut renforcer le consensus existant. Badon, l'homme de nouvel accord. Si, par exemple, le groupe veut discuter avec nous, quel est le bon canal, le groupe parler, donc. C'est pas sur base à concept de nouvelle situation. Non, c'est sur base. C'est de chaque navire avec projet. C'est ça le nouvel accord. Je n'appelle pas ça un nouvel accord. Vous prenez un nouvel accord? Non, pas peur, pas réaliser. Pas réaliser? Pas réaliser comme ça. Pour moi, c'est pas un nouvel accord. Parce que nous avons besoin de renforcer le consensus qui existait déjà. Ah bon? Non seulement en septembre qui est là, mais notre consensus surtout. Donc, avec en septembre comme tu as dit, base de discussion. Attendez, je ne vais pas vous dire comme ça. Comme si je disais en septembre comme base de discussion. Vous comprenez? Non, en septembre, c'est une base de discussion. Mais l'autre. Protagonistes, il y a des bases de discussion.
Montana a une base de discussion, bon consensus. Mais c'est sur le facteur. Mais c'est sur le groupe qui a une base de discussion, mais qui est au pouvoir, qui ne va pas être là. Non, mais gagne en septembre, un avantage. Oui, de bon avantage. Là, me dit avantage là. Mais pas le dire dans le sens que, comme si m'ta dou tel qu'effectif. Tel qu'existé. Oui, tout ce projet qu'on s'associe. Oui. Bon, on capable de dire comme ça. Ils sont existants, c'est l'existence. Même parce qu'il faut nous renforcer ça qui existe déjà, il va craser dans craser. Nous allons craser en septembre pour nous faire l'autre. Non, mais d'ailleurs, il faut assumer si c'est autre que en septembre la fête et que la pouvoir c'est ça vous dit. Mais pas ça me dit. Me dit que il y a des consensus qui existaient déjà, il faut les renforcer. Nous allons craser ça gagner pour nous faire l'autre. Mais ce consensus n'est capable de dire qui actuellement dirige Haïti, qui est en coalition, qui est au pouvoir, c'est consensus en septembre. Ça veut dire que tout autour de ces projets, vous nous mettez à aimer, vous nous souhaité. C'est le bien ou même, vous nous mettez à aimer, vous nous mettez à aimer. Bon, c'est une opinion. Une opinion, c'est une opinion journaliste. Parce que moi-même, je ne vais pas vous dire rien qui est capable. Même ça, je vais vous dire. Nouvelle accord t'avais dit pour nous classer tout ça là déjà. Pas ça me dit, moi dit que le seul accord qu'il a, et c'est lui sous pouvoir qui a dirigé. Donc écoutez, est-ce que une discussion doit mener vers un autre accord, ou bien est-ce que son discussion a fait pour renforcer l'existant? Ok, bon, moi même ça me passe. On finit sous base avec sagesse, on nous quitte la discussion et avancer. Ok, moi-même. Bah ouais, est-ce qu'il faut nous classer ça qui existait pour nous faire l'autre? Il est beaucoup plus difficile, mais de toute façon. Nous avons une discussion, nous avons une discussion avancée. Pour nous écouter la. Je disais, ok, nous avons deux rencontres qui étaient faites, et combien qui est, toi, combien, qui est-ce qui peut voir? Est-ce que vous avez de nouvelles rencontres? Non, nous avons de nouvelles rencontres avec d'autres secteurs. Pas oublié, parallèlement. Nous avons supposé, Agounia. On les attend, nous les attendons. Impatiemment, nous attendons. Parallèlement, nous avons discuté avec d'autres secteurs dans le pays, parce que nous croyons que, et d'autres protagonistes, parce que pour nous, le dialogue doit être multilatéral et multisectoriel. Et ça, nous comprenons. Même à espérer une sortie avec un consensus, c'est ça, nous cherchons, disons. C'est pour nous, là, qu'on a fait un consensus. Tout ça, mais ça, pour nous, entendre là, c'est que, comprendre, c'est que, et ça qu'a fait là pour nous-mêmes, il n'est pas en question de Montana Ariel. Ok? Non. Il n'est pas en question de Montana Ariel. Dialogue multilatéral et multisectoriel. Montana sont protagonistes, même Jacques Lotio. Ainsi que Lotio. Et c'est clair. Il n'y a pas de gâteau plateau là. Non. Attendez, on a qui sorti dans prise de pouvoir, comme si c'était pas le pouvoir. Il n'y a pas de Ariel comme président, comme premier ministre. Et puis on dit, c'est une parmi d'autres. Tu vois, c'est que vous réduisez, t'as dit. Réduisez comment? Vous venez faire tourner une parmi d'autres. Alors, c'est réalité. Alors, ce que je dis, nous, on a quoi que lycée, l'interlocuteur bon. Avec lequel il faut traiter. Mais moi, dis. Et ça, c'est pas tout, mais nous, temps perdu là, et puis je m'arrive. Non, moi, je pense que Montana, c'est un interlocuteur. Mais c'est pas le seul. Il y a plusieurs interlocuteurs. Lorsque un groupe et ta famille Lavalas qui détachait très clairement de Montana, d'ailleurs, où ça a fait, quand il n'y a pas d'interlocuteur, c'est Montana qui est interlocuteur. Mais, où qu'on est, la famille Lavalas, oui. On va faire ça. On va dire ça tout. Et bon, on va dire ça, on va dire ça pour le secteur privé. Et puis, dire ça, c'est tout. Bon. Même si Bidia n'est pas signé encore, Bidia n'est pas signé encore. Oui, bon, il ne va pas signer encore, mais sur table, parce que le dialogue n'a fait, n'a fait, avec mon qui est en 11 septembre, avec mon. Même s'il passe en septembre, tu as supporté en septembre. Tu as des grands interlocuteurs dans le pays. Et c'est là que nos amis de Montana ont besoin d'un peu de sagesse. Dans leur folie? Non. Comme c'est dit? Non, on n'aime pas faire ça. Parce que nous, on pose ce dialogue. Non, 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 c'est une blague. Et nous, on a besoin de sagesse là-dedans. En septembre, besoin de sagesse là-dedans. Nous, même en septembre, on a besoin de sagesse là-dedans. Nous, on a besoin de sagesse là pour nous comprendre que le dialogue est indispensable. Nous, on a besoin de sagesse là pour nous comprendre. Qu'il faut un consensus beaucoup plus large. Beaucoup plus large que l'accord 11 septembre. Et c'est très important. Est-ce que des gens qui sont au pouvoir, qui ont dirigé dans le pays d'Haïti, je ne connais pas, est-ce que vous pensez qu'ils sont parés pour aller en négociation, qui est capable de remettre en question leur position, leur positionnement dans le gouvernement? Par exemple, tout accord ou un nouvel accord pour remettre en question et tout positionnement des acteurs du conseil. Est-ce que le seul monde qui a négocié, est-ce que les a et non pas qu'un, est-ce que nous mesure pour que ça gère ça? Mais vous remettez en question vos positions dans le gouvernement. On pas les gens qui fait tout sage. On devient sage. On devient sage. Et parfois c'est les circonstances de la vie qui rend nous sages. L'âge tout. Échec tout. Parfois lever matin on pense au c'est pic de la mirandole et puis dans la première jour regarder c'est pas de fin ça. Alors moi pense que nous tous nous besoin de sagesse. On s'est en besoin de sagesse pour comprendre que le dialogue est indispensable parce que pas capable pas que non on consensus plus large pour aller de l'avant. Je n'appelle pas ça une nouvelle accord, j'appelle ça consensus plus large. Okay. C'est très important. Montana, amis, besoin de sagesse là pour comprendre que y a pas seul acteur, y a pas seul protagoniste, y a l'autre. Et l'autre surtout, besoin de sagesse là pour comprendre qu'il faut avancer ensemble.
Fais ça me comprendre. Oui. Pour finir rapidement, c'est la question de 11h parce qu'on est 4 minutes. On peut passer tout le temps, bien sûr. Donc, si vous posez des questions sur le bâton des souliers, c'est une question sur le changement de système. Que oui, on ne peut pas parler de ça. Non, non, c'est important. On dit que nous obligeons le système de l'Algo pouvoir. Deuxièmement, on ne peut parler de Petro-Caribé. Quand lorsque nous avons fait de l'Algo bagage, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois que là, nous avons signé encore 11 septembre, nous te prenons le soin, nous te prenons la précaution pour nous mettre dans la poste à tout ça, pour parler là, pour ce Petro-Caribé, conférence nationale. Et si, élément ça, pat, nous avons encore 11 septembre, SDP pas la signé. Évidemment, vous connaissez, on procède, c'est une affaire de procédure. Casser un système, il y a deux jours, on casse un système. Vous êtes capable de faire un bon matin, vous prenez un fusil, vous cassez. La révolution brutale, ou capable de rentrer dans un processus pour casser ce système. Moi, je crois que dans le processus de dialogue, nous là, qui visait mettre sécurité dans le pays, changer le système électoral, créer conditions pour aller dans l'élection, je pense que nous avons une démarche à casser ce système. Mais il est clair que c'est pour nous être capable de faire bon matin, parce que nous avons des âmes, mais on n'a pas choisi la lutte armée. Mais tout ceci pour casser ce système avec même monde qui a même mené le pays là. Tout ceci pour vous dire, tout ceci pour vous dire que c'est une bataille, nous sommes capables de bien des appréhensions. Et effectivement, mon bon monde c'est eux-mêmes qui. Par exemple, nous n'avons pas quoi voir, mon bon monde c'est eux-mêmes qui mènent le pays à là. Et je dis avec nos coalitions, est-ce que vous avez entendu avec vous pour changer le système? Non, attendez, je ne sais pas quoi c'est avec nous pour entendre pour changer. Non, pas les dons. Attendez, nous avons un processus politique extrêmement compliqué. Nous d'accord, lui. Et chaque monde a un point de vue. Tout le monde qui est d'accord en septembre. Il y a des gens qui sont plus proches, mais il y a des adversaires. Il y a des adversaires dans l'accord en septembre, c'est clair. Peut-être vraie bataille nous allons obliger de faire pour nous changer le système vraiment. Là, nous faisons de sécurité dans le pays, nous faisons combattre le kidnapping. Nous n'avons pas besoin de monter une grosse coalition électorale. Pour que, ensemble, on équipe qui prend le pouvoir pour nous matérialiser la question de ce système-là. Et même après cette prise du pouvoir, le système est capable toujours de gagner quelques éléments là-dedans qui étaient, il faudra continuer. C'est un combat. Mais tout compte fait, nous avons parlé tout à l'heure de bagailles qui méritaient critiquer dans le gouvernement. Par exemple, jusqu'à présent, pas de changement fait dans la collectivité territoriale, dans la délégation, dans la vice-délégation. Et on connaît. C'est important pour mettre sécurité dans le pays. La police n'est pas capable efficace dans la lutte contre l'insécurité et le kidnapping si il n'y a pas de magistrats qui sont capables de travailler avec eux. Il y a des magistrats qui très clairement proche chef de gang, s'il n'y a pas de travailler avec délégation ou vice-délégation. Alors, c'est ça notre posture. Nous supportons les bonnes actions de l'État. Si l'État, le gouvernement font qui vont nous supporter, mais tout ça qui part. Mache yo, nous avons courage pour nous critiquer. Pas nous critiquer pour nous cacher, pour nous venir là-dedans, non? Pour dire ce qu'il faut faire. Donc, le même, par exemple, nous fait des critiques. Par exemple, nous reprochons pour le ministère de le fait que jusqu'à présent, il n'a pas fait changement dans la collectivité territoriale. Il n'a pas fait changement dans la délégation, dans la vice-délégation. Il n'a pas fait, il n'a pas baillé la police, moyen politique pour être capable d'agir correctement. Parce que pour agir efficacement contre l'insécurité et le kidnapping, il faut un réseau d'informations. Qu'est-ce qu'il y a d'information? Kazek, magistrat, délégué, vice-délégué. Mais si tout le monde s'arrête en poste, la police ne sera pas efficace. Alors. Et moi, je ne vais pas casser la même chose. Non, mais. Gagne, c'est mon mieux, ça, ici. Non, gagne qui est honnête. Mais gagne qui n'est pas honnête. Nous cachons ça qu'on est, ça n'est pas honnête. On bande là-dedans, et puis deuxièmement, en question d'équilibre politique. Tu ne veux parler de ça. En question d'équilibre politique. C'est son équipe qui contrôle. Ah, donc. Collectivité. En question d'équilibre politique. C'est ça. Mais bien sûr, son seul équipe qui contrôle. PHTK. Collectivité. Parce que moi, je ne vais pas aller bien. PHTK est allié. Je venais lycée allié. Parce que moi, je ne vais pas aller bien. Nous ne sommes pas capables de payer nos élections si par un rééquilibrage qui est fait dans la collectivité. Parce que nous ne sommes pas d'accord à nos élections. Nous avons un groupe qui contrôle collectivité territoriale, délégation, vice-délégation à 100%. Ça, c'est une responsabilité politique qu'il doit prendre pour créer les conditions indispensables à l'organisation des élections. Ça veut dire qu'on bande de travail qui est pour faire, il faut nous mettre tête en place pour nous faire. Ça n'a pas un petit temps. Okay, pour nous faire une note, il y a la question qui fait, la question de gaz. Le gouvernement annonce pour le balmont de gaz, André Michel. Et un moment très difficile, situation économique précaire. Vous êtes à l'intérieur du gouvernement, au conseil des ministres, qu'est-ce que vous défendez vous-même? Non, moi, ma compréhension personnelle, effectivement, le monde est en crise. La guerre en Ukraine provoque une grave crise dans le monde là. Une crise pain, une crise blé, farine, une crise gaz, une bonne crise. Mais j'ai une situation pays est là, pour moi, la situation est là. J'en ai là, Ronan. Insécurité, kidnapping dans le monde. J'en pouvoir d'achat mon yo pratiquement pas existé. Dans un contexte comme ça, je ne sais pas quoi est opportun. À mon sens, je ne sais pas quoi est opportun. C'est une étape, c'est sous-clou. Il n'est pas opportun, je veux dire. Parce que vous avez l'insécurité, vous avez le kidnapping, vous avez souffrance de population qui est au niveau extrême. Au Mozambique, et le gouvernement doit comprendre que ce n'est pas dans le moment ça.
Est-ce que vous défendez ça au gouvernement, au conseil des ministres? Je ne suis pas au conseil des ministres. Je parle de SDP, par exemple, en Amérique. Est-ce que c'est pour ça défendre dans le cadre du débat sur le monde de Gaza? Je ne sais pas si on débat sur ça dans le gouvernement. Le premier ministre a annoncé. Je ne sais pas si on débat sur ça dans le gouvernement. Mais si c'est pour le débat, on a défendu point de vue que le moment n'est pas opportun, c'est ça? Pour moi, il n'est pas opportun, je veux dire. Il n'est pas opportun, je veux dire. Dans les situations actuelles, il me gazette dans le bien. Dans la situation actuelle, insécurité, kidnapping, dans la situation où il y a aujourd'hui, misère qui a crasé mon yo, classe moyenne qui appauvrit, moment pas opportun. Ce moment n'est pas opportun. Les compréhensions pas moi, parce que ce moment ça n'est pas opportun. Mesdames et messieurs, et gouvernement, il vient pour lui peser le pour et le contre, et bien garder les décisions après, les grandes décisions économiques et financières, parce que les décisions économiques et financières, vraiment capables. Mettez-vous en situation très difficile. Il faut toujours entendre la voix de la sagesse. On comprend la situation, la guerre en Ukraine, problème gaz, problème farine. On comprend. On comprend que l'État a tout besoin de ressources, etc. Mais il y a l'autre côté pour prendre des ressources surtout. On comprend l'autre côté pour prendre des ressources. Dans la lutte contre la contrebande, on peut trouver des ressources. Et même quoi que dans le moment ça là. Et je crois que parole ça, d'autant plus important que nous songez, le gouvernement a monté gaz la première fois, et c'était le ministre de la planification de Carpierre. Bon, c'est pas qu'il était pris décision, mais c'est lui qui était annoncé. Donc, SDP, je vous dis, à travers voix et André Michel, M. Claire, que le moment n'est pas important, n'est pas opportun pour monter gaz en raison de problèmes. Insécurité, la richesse, chômage, gang, groupe, misère. Et si vous êtes capable de résoudre ce que je veux dire, c'est que c'est pratiquement mettons un pied sous clou. Et personne n'a intérêt de mettre ça là, je veux dire. Le gouvernement dit, il y a besoin d'argent, le gouvernement dit, gaz la chair au niveau mondial. Donc, comment on a fait pour Kembe? Oui, alors, c'est exactement ce que je veux dire, que le monde n'est pas opportun. Le gouvernement vient pour le. Chercher comme de l'autre côté. Chercher comme de l'autre côté, c'est pour le peser, situation en tout. Pour le peser, pour le voir, qui importance. Décision. L'importance, c'est puis les conséquences, c'est capable de bientôt. Moi-même, je dis, tenant compte de l'insécurité, du kidnapping, de la vie chère, de la situation de vulnérabilité de la population, de la majorité, n'est pas opportun. N'est pas opportun, je veux dire. Merci, Maître André Michel, André Michel, mesdames et messieurs, et qui était invité nous matin, ils nous font bon parler. Et nous avons retenu sur question gaz à la position de Maître André Michel. Et merci un peu, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, Assad, et ça a été un plaisir. J'étais bien content de parler avec auditeur, auditrice, mon cap gardé Gazette Haïti. Internaute. Moi, espérer, moi, t'ai fait effort pour ne pas déranger. Vous voulez dégager, oui. Moi, espérer, oui, pour ne pas déranger mon nom. Tu peux descendre, dégager. Mon posture de. Même bien, comme vous passez. Mon posture de commissaire, mon dialogue avec tout le monde. Faut pas gâter, faut pas gâter. Je vais écraser le dialogue là.